taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. Bon matin tout le monde. Donc oui, mes cheveux sont bizarres parce que je les ai juste comme un peu attachés pour prendre ma douche, mais je voulais pas les... Vous avez entendu, c'est Muffin qui se réveille. Joyeuse Pâques en retard pour vous. Aujourd'hui c'est Pâques. Donc c'est ça, je me suis réveillée tard, comme à midi. Mais pour vrai, je dormais vraiment mal, mais là c'est pas nouveau. Mais rendu comme, je pense que de 7h à midi, j'ai dormi vraiment, comme, je me suis pas réveillée. Alors ça a fait du bien, vraiment, là, parce que, comme, pendant la nuit, c'était vraiment dur de dormir. Ouais, c'est ça, donc, là, je suis quand même en forme, mais comme vous pouvez voir, j'ai comme un mal de gorge, puis enceinte. On peut pratiquement rien prendre, donc mon mal de gorge, il va persister. J'espère qu'il va partir avant que j'accouche, par exemple, mais bon, je peux rien y faire. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'allais dire, Marco, le frère Anthony, a dormi chez nous. Puis ce soir, c'est pas parce que c'est Pâques, là, c'est vraiment juste que mon père, il allait venir souper. Puis là, Marco est là, fait que dans le fond, on va faire un souper. Puis... on va faire une recette de 3 fois par jour. Là. C'est avec un fromage brie, mais avec une salsa de fraises et tout ça. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Puis, c'est ça, là, j'ai quand même de l'énergie, je vous dirais, malgré ma nuit pas super. Donc, oui, j'ai le nez rouge puis tout, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça, on s'en fout. Je m'en fous de que j'ai l'air. Sur ça, j'ai comme plein de lavage à faire aujourd'hui. Fait que je vais en partir tout de suite parce que j'aimerais ça laver les draps. Parce que j'aime ça vraiment dormir dans des draps qui sentent super bon, tout propre. Là. Fait que des draps. J'aimerais ça laver les serviettes. Il faut que je lave. Il reste comme des vêtements à Jaden à laver. Puis je veux les laver comme que ça soit fait. Là. Ça. Puis des vêtements. Fait que j'ai quand même une coupe de brassée à faire. Alors, je vais commencer à faire ça. Là, je vais descendre. Je vais aller voir Muffin qui se réveille. Vous l'avez entendu, elle faire son bye-bye. Elle est tellement cute quand elle bye. C'est trop cute. En tout cas, fait que c'est ça. Puis Marco, il dort encore. Il dort... dans le fond, quand on a des invités, soit qu'ils dorment au sous-sol, ou soit qu'ils dorment dans le salon, notre divan, là, parce qu'on peut coller le pouf, puis ça fait comme un lit king, là. Mais lui, il a dormi au sous-sol. Donc, on a le divan qui fait comme un divan-lit, là. Fait que, il est encore en train de dormir, mais je pense qu'il s'est couché vraiment tard. Fait que, voilà. On va se reparler plus tard. Donc, je viens de rentrer de dehors parce que Anthony puis Marco sont en train de tout nettoyer l'auto, genre, intense, mais à l'intérieur. Et d'installer le banc d'auto. Puis Anthony n'est pas capable de déconnecter la base du banc d'auto. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Puis là, j'étais dehors avec Muffin. En avant. Elle capotait parce qu'elle va jamais en avant. Elle va souvent en arrière. Mais je la promène pas full. Parce que notre rue est pas faite. Fait que c'est vraiment de la bouette en ce moment. Ouais. Avance. Tu étais fine, tu restes assis dans mes jambes, oui. Là, je suis un peu frustrée parce que je pense que mes allergies commencent. J'ai passé peut-être une heure à peu près, non je sais pas, 40 minutes là dehors avec ma fille dans la bas. Puis comme je disais, là, il nettoyait l'auto puis il installait le banc d'auto et tout ça là. Puis là mon nez pique, mais moi comme... Je suis allergique au pollen, mais moi c'est vraiment comme dès le début du printemps là, quand les bourgeons commencent à sortir, c'est là que c'est le plus intense, là je suis comme sérieux, mais d'habitude c'est plus tard dans l'année, mais je sens vraiment comme si c'était des allergies, puis enceinte tu peux prendre des pilules d'allergie, en tout cas je pense que la plupart tu peux pas là, fait que c'est genre frustrant.
C'est frustrant, ben c'est pas grave, là. C'est juste que c'est vraiment le pic, là. Comme l'été, j'ai moins d'allergies qu'au début du printemps. Puis là, ben il fait vraiment chaud dehors, je pense qu'il fait 12. Ben vraiment chaud, on s'entend, là. Fait que, en plus d'être enrhumée, je pense que je commence à avoir mes allergies. Et oui. Fait que là, ce que je vais faire, j'allais nettoyer ma salle de bain. C'est ça. Puis nettoyer dans le passage ici. Fait que ça sent tout bon, tout propre. J'ai nettoyé un peu en bas, mais je vais finir de nettoyer tantôt, là. Parce que. C'est ça. Je vais finir de nettoyer tantôt. Puis j'ai fait la brassée de linge à Jaden. Et. C'est ça, il fallait que je fasse ça. Puis là, je vais partir après ça, je pense, ma brassée de couverte. Parce que je vais pouvoir faire mon lit après. Donc, voilà le repas que Anthony a préparé. Donc, on a un fromage brie avec salsa de fraises et de noix de Grenoble. En fait, c'est la recette de 3 fois par jour, mais au lieu de pistache, à ton goût, j'ai mis des noix de Grenoble. Du porc sur le barbecue avec des patates grecques. Ben, grecques, oignons verts, ça. Et la salade Olive Garden. Ça va être bon. Allô tout le monde, donc comme vous pouvez voir, je suis en serviette. Comme vous pouvez le constater, on est le lendemain. J'ai pas conclu mon vlog hier, mais je voulais vous le conclure. Parce que, en tout cas, j'ai vraiment passé une mauvaise nuit, là. Vous pouvez le voir un peu dans ma voix. Quoique ma voix, elle avait mal hier. On dirait qu'elle est pire. J'ai les oreilles bouchées, fait que c'est peut-être pour ça que je l'entends pire, là. Puis ce matin, en fait, ce matin, genre pas plus que 20 minutes, là. Vous savez, dans le fond, la nuit, on a moins de salive. Puis, dans le fond, c'est que dès que je m'endors, mettons, je m'endors pour 30 minutes, mais je me réveille à cause que je m'étouffe. Fait que je me réveille toute la nuit en m'étouffant. Fait qu'il faut que j'aille vite boire de l'eau, tu sais. Fait que j'ai mon gros verre d'eau proche de moi. Mais je me suis tellement étouffée que j'ai vomi ce matin. C'est vraiment pas agréable. Mais tu sais, j'ai vomi. Genre, rien, si vous comprenez. Dans le fond, hier soir, mais la dernière chose que vous avez vue, c'est le souper. Je pense que j'ai mangé comme la moitié du souper, là. C'était bien trop gros. Mais j'ai rien mangé après, puis. En tout cas, fait que dans le fond, j'ai vomi rien ce matin. C'est juste, j'ai vomi. Tu sais, ça vient par la gorge, là. Puis, ben, c'est ça. C'est comme je file juste pas. C'est comme, autant que j'ai hâte d'accoucher, autant que je suis comme, faut pas que j'accouche là. Je suis tellement faible que, mon Dieu. Tu veux accoucher quand t'es au meilleur de ta forme, là. Que, oh mon Dieu. De toute façon, je pense pas que j'accouche d'ici quelques jours, mais j'espère que ça va guérir, là. Ça prendra pas un mois comme l'autre fois. Ouais, fait que, j'insiste que j'allais juste vous conclure ça. Puis, je vais juste vous montrer, j'ai reçu un colis ce matin. On est lundi de Pâques, fait que j'étais comme un colis, mais c'était FedEx. Fait que, je vais vous montrer ça ici. C'est de la marque Cougar. C'est la compagnie, là, qui m'a envoyé. Mais c'est moi qui les ai choisis, dans le fond. Parce que je me suis dit que je voulais faire un lookbook de printemps. Puis, au printemps, souvent, il pleut. Fait que c'est comme des petites bottes de pluie. Ils sont full confort, okay? Puis j'ai genre aucune botte de pluie. Puis j'ai pris les ceux à poil. Je les trouve full cute. Ouais. Fait que j'ai ça. Puis là, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose, là. Mais ce que je veux faire, c'est. J'ai pas plié les vêtements hier. Les vêtements, les couvertes que j'ai lavées de Jaden. Fait que je vais faire ça. Puis, Catherine, tu sais la petite veste? Tellement cute. La petite veste qu'elle m'a donnée, c'est une 0,3 mois. Ça dit 7 à 12 livres. Je pense que je vais la mettre dans mon sac d'hôpital. C'est la même couleur que son petit kit. Il va être tellement cute. Fait que je pense que je vais rajouter ça dans mon sac d'hôpital. Ouais. Fait que là, je vais tout plier ça. Alors, je vous dis bonne journée.